Je m'étais fait une élongation à l'ischio sur mon dernier entraînement lourd de terre samedi dernier. J'avais qu'une semaine pour récupérer. Et j'ai vraiment voulu honorer l'invitation de la Fédé. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être appelé sur le collectif France. C'était un des objectifs qui se réalisait et je ne pouvais pas lâcher. Donc j'ai essayé vraiment toute la semaine de me soigner, de guérir, d'éviter le terre, d'éviter le squat, de vraiment faire tous les soins possibles. Mais voilà, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. C'est pas passé cette fois, mais je suis sûr qu'en revenant en bonne santé, prochaine compétition est cette année, je vais faire quelque chose de bien et je vais m'en donner les moyens. Gros indice féminin de tous les temps en France. D'ailleurs, c'était toi qui le détenais. J'ai fait 175 au squat, 92,5 au coucher et j'ai enfin passé les 200 en terre. Et donc, je tiens à remercier déjà mon entraîneur et aussi tous ceux qui m'ont encouragé, mes amis, ma famille. Ouais. Toujours plus haut, toujours viser plus haut. Exactement. Alors j'ai sorti une performance un peu mitigée par rapport à ce que j'avais prévu. Match un peu compliqué parce que j'ai eu quelques petites crampes, quelques désagréments que j'avais pas eu sur mes compètes précédentes. En dehors de ça, j'ai fait 20 kilos de moins que ce que je voulais. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire aujourd'hui et c'est un peu ça je pense qui est important, c'est de se préparer pour quelque chose. Et si jamais il y a des choses qui vont pas comme prévu, il faut réussir à adapter sur le coup, il faut pas se laisser abattre. Il faut rester dans son match, il faut rester concentré. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire dans l'ensemble. Franchement, super ambiance, super staff, les pareurs étaient au rendez-vous. Je trouve que la force en France se popularise de plus en plus et je suis super excité à propos de ça. Des initiatives comme les tiennes, comme plein d'autres initiatives, ça me plaît énormément. Les speakers aujourd'hui qui étaient énormes, qui ont su mettre l'ambiance, je pense que c'est plus vers ça que devrait se diriger la force. Et ça m'a l'air parti pour, donc je suis content. Hâte de voir la suite. Can't